Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance du mois de janvier. Je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle année. Alors c'est parti, on y va. Je vais utiliser pour vous le tarot des sorcières. L'histoire des sorcières, c'est l'oracle, c'est pas le tarot, et l'oracle des sirènes. Allez, c'est parti, on y va. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, bien sûr. Et puis, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche de notification, tout simplement pour recevoir votre guidance sentimentale dès demain. Pour tous les membres voyageurs, pour toutes les personnes qui aiment le contenu que je partage jour après jour, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu qui s'appelle « Rejoindre ». Une vidéo vous expliquera en même pas une minute en quoi cela consiste. Allez, c'est parti, on y va. On est parti. On va poser une magnifique intention. Toi, moi. Ok. Donc, je sais que ça vous perturbe que je tutoie, mais c'est pour que la communication soit beaucoup plus fluide entre toi et moi. Ok? Allez, on est parti, on y va. Pour tous les béliers et les ascendants, pour ce mois de janvier, je demande une guidance générale. On va voir ce qui va ressortir. Regardez, c'est parti, on y va. Alors, n'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire, hein, d'accord, dessous ce que vous avez pensé, vos ressentis, voilà, tout simplement. On est parti. On a ici, tout d'abord, la lame de la Dame d'épée. Cette lame, j'espère que vous voyez bien, que tu vois bien. La Dame d'épée ici, tu vois, c'est une personne qui, on peut dire, a de l'allure, de la classe, elle sait, elle a travaillé un petit peu sur elle-même et elle brandit cette épée pour dire, voilà, je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire, mais j'ai ces peurs-là qui m'empêchent de le faire. C'est la lame de l'ermite. Tu sais que ici tu es en voyage, d'accord, que la vie sur la terre elle fait que d'expérience. Tu brandis un petit peu ta lampe qui est ta propre lumière, ton feu sacré, et tu avances malgré les obstacles qui arrivent devant toi. Et pour le moment, en faisant ceci, tu te rends compte que, bien sûr, tu es seul pour avancer sur ton chemin. Les autres peuvent t'aider à un certain moment dans ta vie, mais pas en permanence. Et donc, du coup, tu te dis, mais en fait, il faut que je devienne autonome. C'est ce que les lames ressortent, c'est ce qui ressort des lames. Alors, tu travailles. Telle est ta mission de vie. On a ici la Trinité, hein, la lame, le 3 de Pentacle. On voit que tu es une personne assidue qui travaille et qui aime
se poser et avoir des réflexions de temps en temps. Et c'est super magique pour toi, pour ce mois de janvier en tout cas. On te l'indique de continuer à faire ça, mais fais très attention de ne pas te brûler au travail. Même si tu as ce travail qui est passionnant et que tu es passionné, voire obsédé, obsessif par ce travail-là, vraiment, 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 on a ici la lame de écoute la sagesse. Le corbeau vient à tes oreilles et te l'indique d'écouter vraiment cette sagesse, d'écouter vraiment l'intérieur de toi qui te dit « Ok, j'ai envie que toutes ces choses-là fonctionnent, ce que je suis en train de faire, que cela fonctionne. » Mais sur du long terme, comment je peux faire pour ne pas être autant fatigué? Et c'est ce message que le corbeau t'envoie. La sagesse. Être sage, c'est de faire ton travail du mieux que tu peux, en faisant ton mieux. Ok? Mais à un moment donné, il faut aussi se reposer. Et on a ici la lame de la purification du cœur physique et puis de l'âme. Avec tout simplement le reflet de l'abondance qui vient sur ton visage. Et cette lame, elle te l'indique que tout ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Et c'est là la lame de reflet. Tout simplement, cette lame, elle vous l'explique, hein, elle te l'explique tranquillement. Que tout ce que tu peux faire, tout ce que tu rêves, va se réaliser. Aussi miraculeux que cela puisse paraître, si tu te focalises en gardant le cap sur ton objectif, il y a de grandes, grandes chances que cela va se matérialiser. Dans un futur lointain. Bien sûr, il faut toujours, toujours garder cet espoir, ce feu sacré qui est à l'intérieur de toi, parce qu'on a ici la lame du soleil et des étoiles. Le soleil brille autour de toi, le soleil est l'abondance. Et les étoiles te redonnent de l'espoir, la volonté de continuer malgré les difficultés que tu rencontres. Continue, continue. Tu n'échoues pas. C'est juste des situations un petit peu négatives qui arrivent en cet instant. On t'indique ici de rejeter la lourdeur et les fardeaux pour obtenir de la légèreté, ce qu'on appelle l'essor liquide, ce que tu reconnaîtras avec cette lame de la couleur bleue, de l'ange bleu qui t'indique que plus tu seras dans la magnifique communication avec toi-même et avec les autres, plus tu lâcheras prise sur ce qui peut se passer, plus tu obtiendras de bons résultats. Ici, en fait, on t'indique tout simplement de te détendre davantage. Pourquoi te détendre? Cela va te permettre d'avoir de magnifiques visions de ton avenir. Ne me crois pas, mais teste-le toi-même et tu verras. C'est les expériences que l'on fait nous-mêmes qui apportent de la valeur. Et cette lame de la vision psychique te l'indique très clairement. Voilà, les amis. Bélier et ascendant pour cette guidance générale du mois de janvier. Ça peut ne pas vous parler à tout le monde, mais à certaines personnes peut-être. Et ici, on vous l'indique très clairement. Que tout ce que vous pouvez réaliser,
vous pouvez le faire. Il suffit de croire en toi. À demain. Ciao.